Je lance la VOD. Bonjour VOD, nous sommes sur The Last Case of Benedict Fox. C'est un jeu d'enquête. Avec un style apparemment Metroidvania mais soft, ce que j'ai cru comprendre, sinon je ne serais pas intéressé au jeu parce que c'est pas mon style. Avec un univers Lovecraftien, un peu fantasmagorique aussi, et avec une DA assez léchée. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à jouer à la manette. Je pourrais faire au clavier pour le moment et je retenterai plusieurs fois la manette, on verra. Coucou. Coucou, on vous dit coucou. Salut Kirito. Salut Morfufu. On vous dit coucou la VOD et pas kikou. Du coup on va lancer. Et voilà. Le jeu est en français, c'est cool. Je veux jouer avec les paramètres par défaut. Je veux personnaliser. Non, on va jouer avec les paramètres par défaut. Parce que si c'est un Metroidvania, il ne faut pas que ça me dégoûte trop du jeu. Parce que vraiment les Metroidvania, c'est pas mon truc. Vous l'avez OD. Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou avec des éléments réels, seront fortuites, je pense, dans le lien. Ok, il y a des sujets un petit peu touchy apparemment. Ça nous prévient. Il me semblait que j'avais vu aussi qu'il y avait quelques trucs, mais je n'en sais pas plus. Ça va mieux, Lox? Oui, ça va mieux. Salut Sam. Franchement, j'ai dormi facile 12 heures. J'en avais trop besoin aussi. J'avais besoin de repos. Bref, je vais mieux parce que j'ai pas streamé hier. Nous sommes sur une ambiance assez joyeuse. Donc on est après la première guerre. Première ou seconde? Je peux le temps de lire. C'est première. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration of the void. Not all, however. Bon, j'ai pimp un peu les contrastes et les lumières, donc ça va être un peu plus flashy peut-être. Peut-être un peu trop. J'aime bien moi quand c'est flashy. Et voilà, nous sommes sur un jeu d'enquête. This is what I've been looking for. He who seeks does not err. Did you hear something? Cherche le seeker. Merci Kirito. 12 euros OMG à chance. Alors ouais mais... Oh là là. Attendez. Déjà ça part. Oh mais je peux pas jouer à la manette, quelle trahison, quelle disgrâce, ça va être terrible. Coucou la VOD, connaissez-vous PRIME? Et n'oubliez pas, c'est Elox la meilleure. Oh merci, c'est trop mignon. Le son du jeu est peut-être un peu fort, je ne sais pas. Je le baisse légèrement pour vous, vous me direz. Attaque lourde. Hein, attendez. Deux fois sur A plus contrôle plus A. Non mais... Non mais... Je veux la manette, s'il vous plaît. Non mais c'est pas possible. Ah, deux fois sur A. Ah oui, c'est parce que je suis en... Oui, je suis censée être en QWERTY. Oui, d'accord, pardon. Ah, attendez, je me mets en QWERTY. Voilà, là je suis en QWERTY, c'est bon. Hello. Alors je ne peux pas, la manette ne fonctionne pas, ça me saoule un peu, je vais retenter quand même parce que ça c'est le genre de jeu. Si c'est pas la manette... Oh ça marche. Oh alléluia. Oh je suis trop contente. Ok, ça va être cool la manette, ça va être cool. Et du coup, alors j'ai dormi... Ah ouais, ah, franchement, peut-être pas 12 heures mais 11 je pense. Mais... J'arrive à faire, même si je fais que 3 heures par nuit, mais ouais mais en ce moment c'était que ça. Et j'étais épuisée aussi hier. J'ai pas pris de trucs pour dormir, mais par contre, je me suis réveillée plein de fois dans ces 12 heures. J'ai réussi à m'endormir à chaque fois en insistant de fou. Et ça, je me suis dit non mais je le sens, il faut. Là, mon corps il en peut up en fait. Et là enfin ça allait mieux. C'est très très rare. Ça m'a fait trop peur, mais il ne faut pas avoir peur. Je suis en sécurité. En tout cas, petit jeu du coup. Un dé, il fallait que je fasse un truc. Du coup, maintenez pour effectuer une attaque. Ah non, je peux pas. Ah,
peut voir les paramètres depuis ici. Ouais, un truc en haut. Ah non, j'ai une cuisine popo. Ah ça, c'est pas l'eau, ça. Bon, on va avancer et puis on verra. Parce que ça, ça me tue pas en fait, ça. Ok. Alors par contre, le tuto à gauche, le truc à gauche, j'espère qu'il sera plus affiché au bout d'un moment. Alors attendez, parer, c'est quoi du coup? Cette attaque lourde. Ouh, c'est ça parer? Ah ouais, ok. Et esquiver. Esquiver, c'est LB. C'est quoi LB? Ça. Viser, pas esquiver, je suis con. Ah mais j'ai pas vu en fait esquiver. Bon allez, let's go. Grimper les rebords. Voilà. On a aussi un double saut. On avait un double saut. Ah et voilà, quand je bouge pas. L'eau. Ouais mais l'eau, le problème c'est que... J'ai déjà bu ma bouteille de cristalline et j'en ai qu'une. Donc c'est trop dommage. Mais c'est ainsi. Chaque fois qu'il y a un indicateur, hein. Ouais. Ah c'est quand il y a un indicateur que je peux faire un double saut, sinon je peux pas. Ah oui, ok. Oh. Moitié. 29 Kimberly Way, Boston. Ok. On a rendez-vous quelque part à Boston. J'ai pas trop lu pourquoi, excusez-moi. Si je m'endors après un réveil, j'aurai d'office malade de tête. Pourquoi? Oh, regardez ce style. Ce style stylé. J'aime bien. Mais ça fait. Ouais, si, ça fait un peu. Un peu quoi, années 30, genre? J'attaque la baisse débute la plus forte de la soirée, la bière la plus forte. Elle est à combien? Hello, anyone here? Ah, t'es hyper somniaque donc dormir 10 heures d'affilée sans problème. Ah non, moi ça m'arrive jamais. Hein. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était après un marathon de stream de 30 heures. Seul angle. Tu dis qu'il n'y a personne ici? Mais pourtant tu me parles. Ok. Caméra peut-être un peu balèze. Est-ce que je me mettrais pas en haut, genre? Je pense. Ouais, je pense que c'est Yum. Ah punaise, j'ai trop de trucs, j'arrive pas à sélectionner ma cam. Hop. Hop. Ah si, c'est bon. Comme ça, c'est bien, je pense. Ouais, comme ça, c'est bien. 11 degrés, celle-là. Ah ouais, ouais, bien à 11 degrés, Ça m'arrive pas souvent, effectivement. Allez. Ah, du coup, là, on n'a plus les... Mince, je suis allée où? Je suis allée dans l'escalier? Oui. Ah oui, c'est ça. Ok, et là, tout d'un coup, la musique est ultra basse. Carte. Tac. On a tous nos consommables. Et notes. Ok. Est-ce que je vais trouver esquiver? Ah, c'était... C'est R. Bon, on verra. C'est très joli. On va descendre, on va visiter un peu. Est-ce que ça te concerne notre... Non, ça me concerne pas. On parlait d'endométriose parce qu'on parlait de personnes que certains connaissaient dans le chat ou de streameuses qui en avaient. Mais non. Heureusement, j'en ai pas. Mais effectivement, je peux que envoyer un énorme soutien à toutes les personnes qui en ont parce que ça a l'air d'être vraiment terrible en fait, ça a l'air d'être horrible. Hmm.
c'est la solitude. Il se parle à lui-même, le gars. Je connais ça. 30 heures de marathon. Non, 30 heures. 30 heures de marathon. Les deux dernières heures devaient être les plus longues de ta vie. Ouais. Ouais, bah ouais, je devais faire 24 heures, j'ai fait 30 heures. Si je refais un marathon, je ferais pas la même chose. Parce que la fin du contenu était à chier, en fait. Par contre, la première partie, les 10 premières heures, 15 premières heures, étaient trop cool. Ok. Attention radio. Ok, petit réglage à faire pour la radio, je comprends. Et ça règle quoi? Je ne sais pas. Mais je peux pas l'allumer. Genre il y a un bouton au milieu, je peux pas le faire. Changer de bouton, ouais, ok. Bon, pour le moment on va laisser ça de côté. En tout cas ça murmure par ici. Et on a une page déchirée. Oui, on ressemble à l'ancienne écriture des anciens. Il s'agit peut-être d'un fragment. J'ai pas le temps de lire. Nous sommes proches. Ta sœur. Ah, c'est marrant, je préfère. Mais j'ai trop de bruit dans mes oreilles, j'arrive pas à faire les voix. Ça va être compliqué. Peut-être moins comme ça. Ne laisse pas ta sœur te freiner. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Et puis là, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Ah là, tout à coup. Bon, on verra. Un esprit se forme en consumant le mot. Il faut veiller à ne pas le déformer. Chaque lettre s'imprime subtilement sur la santé mentale du lecteur. Un esprit non entraîné pourrait ne pas le remarquer. Je suis peut-être capable d'inverser le rituel et de trouver un moyen de me libérer du compagnon. Compagnon avec un C majuscule, c'est ainsi qu'on entend. C'est ça la voix qu'il entend, c'est le compagnon. J'essaie de rattraper le chat. Direct 72 heures pour Jean-Marathon. Non! Non. Mon ex, un médecin, les médecins sont moqués pendant toute sa vie. Ah, qu'elle avait l'endométriose? Bah, sympa, nice! Nice les médecins! On fera un marathon différent, par exemple 5 heures de stream par jour pendant 6 jours, ça fera 30 heures pareil, il sera moins fatigué. Non mais je fais plus, hein. Non mais c'est que si un de ces 4, je dois en faire un marathon, ce sera un petit truc, ce sera pour un événement. Et voilà, plus court, je ferai pas un truc du style, ah ouais. Ah ouais, on pousse jusqu'à 30 heures, hein. Non. C'était nul. Vas-y, but, tu l'as un petit diablotine à 8,5 et le diablotin 11. La dernière fois, je les teste à 8,5. Ok. Ça va, elle est bonne? Ou elle est juste forte? Bon. Locked. Ok. Locked. Ouais, tu fais des migraines chroniques, Nico? À cause du sommeil, peut-être, justement? Certains éléments peuvent avoir une inspection supplémentaire à l'intérieur. Faites tourner l'élément avec elle pour vous concentrer sur l'inspection. Ok. Inspecter. Waouh, j'inspecte de fou, là. Vous pouvez toujours revenir au sac et appuyer sur X pour enquêter à nouveau sur l'objet. Vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose. Ok. What? J'ai vu un truc à côté de prendre, mais j'ai pas compris. Je crois que c'est une sorte de monnaie que j'ai eu en haut à droite. Jolie clé, bien conçue, solide, avec un symbole que je ne connais pas. Ah bah oui, d'accord. Donc le symbole... Est-ce que je peux examiner encore d'autres trucs, genre ouvrir? Ah non, je sais pas. On va revenir pour le sac. Ah, je peux juste tourner. Il y a un autre symbole. Ok.
J'ai pas vu que c'est dans un cas précis. Ok, d'accord. L'accréditation pour la Coupe du Monde de rugby dont je suis bonne et belle te demande homme, femme et non binaire. En non binaire, c'est pour moi ça. Ok. C'est bien, ça se développe. Ah, oh, ça devient peut-être de moins en moins important, c'est bien. De devoir être dans des cases très précises. Je trouve que quand tu fais des streams de 3 heures, c'est épuisant, alors 24. Ça dépend de tout, ça dépend de ce que tu fais, sur quoi tu fais, avec qui tu... Voilà, comment se passent les soirées et tout. Ça, c'est mon flingue. Attendez, je l'ai pas observé pour de vrai. Mais il est chelou, mon flingue, on est d'accord. Ok, non, bah oui, il est... Oui, d'accord. Amplificateur endommagé, un appareil merveilleux qui m'aide à accéder en toute sécurité à des capacités du compagnon. Ah, d'accord. Ok, c'est comme ça que je fais les doubles sauts et tout. Mon compagnon me donne des pouvoirs. Pourquoi je voudrais m'en débarrasser en vrai? Oh! Morceau comme la rosée du matin, les souvenirs et les sentiments reposent doucement sur des biens terrestres. Tentant pour les démons et les pillards, il existe un monde où plus rien n'a plus de valeur. On a plus de valeur? Plus? Ah ouais, il y a une valeur, effectivement. Regardez, il y a un petit symbole de... Enfin, des petites étoiles losanges, là. Je sais pas. Baïonnette. Bon, ça fait pas baïonnette, ça, zut. Peut-être moi qui sais pas bien à quoi ça ressemble après, c'est possible. Bon, ok, il y a des trucs un peu chelous dans le sac pour le moment, j'ai pas toutes les infos. Je vais avancer un peu, excusez-moi, je joue pas beaucoup, j'observe beaucoup et je lis le chat et je suis pas très là. Salut Silence, du coup, ça va? Si je devais streamer même une heure, il me faudrait une semaine pour m'en remettre. Mais non. Mais non, bien sûr, ça peut être très très crevant, hein. Mais après, bon, moi je trouve ça trop cool, alors j'avoue que c'est pas... J'ai pas l'impression de devoir forcer, sauf si vraiment j'ai une grosse migraine qui commence à venir. Bon, j'ai l'impression que ma clé, faudrait que je la combine à une autre clé. Parce que je crois que c'est un L comme ça, ma clé. Enfin, peut-être que je la combine à genre une ou deux autres clés. Je vais voir. Elle est où? Elle est là. Ouais. Je vais voir si c'est à peu près la même forme. Hein. Un petit L, mais vers la gauche. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça maintenant, je comprends. Ici, du coup, il y a un truc que j'ai pas pris ici. Ah bah dans le tiroir. Mais je peux rien faire pour le moment. Ah d'accord, je peux faire... Ouais, mais bon, j'ai pas la combi, donc ça va être du pif total. Donc ça, ça va être plus tard. On va continuer à fouiller. Bon, le style est trop mignon. Enfin, mignon. Je sais pas si c'est le terme, mais... Enfin, si, moi, je trouve ça mignon, en fait. Ça va et toi? Oui, ça va. Hier, j'étais pas en super forme, ça va beaucoup mieux. Gramophone, hein. Peut-être juste pour l'immersion. Désactiver l'emote wall juste pour ce stream, je remettrai après. Parce que dans la VOD, ça doit être chiant. Ou alors, je mets aussi le chat. Mais là, je veux qu'on fasse de l'immersion, là. Je mettrai pour Genshin après. Je peux rien faire juste? Je peux juste retour? Hein? Ok. Attends. Ah, disque! Voilà! Vous avez vu, j'ai ma monnaie là-bas. Ça a augmenté. Le groupe Plot Twist! Il y a un mot ou deux, personne n'en avait entendu parler. Bientôt, rares seront ceux qui ne les connaîtront pas. Donc j'ai pris le disque et là je peux le mettre probablement. Ok. Moi aussi j'entends rien. J'ai baissé un peu la musique, je crois que je l'ai trop baissé. Mon jeu, est-ce qu'il est à fond? Oui, il est à fond. Je n'entends rien. Je vais essayer de... Mais là les bruitages sont forts et la musique est bien. Enfin, ça suffit. Est-ce que je peux sauvegarder quand je veux? Parce que j'aimerais bien quitter. Et en fait il faut que je quitte pour aller dans les paramètres. Et augmenter le son. Ah non! Afficher les paramètres, je suis stupide. Réglage. Oh, j'ai rien dit, excusez-moi. C'est tout à l'heure quand j'ai voulu, il me proposait de partir.
Est-ce que là on entendra mieux? Bon, c'est fait exprès qu'on entende mal, j'imagine. Une migraine ou pire, une graine entière. Quand tu joues en stream, t'es deux fois plus épuisé et deux fois moins fort. Exactement! Alors, rappelez-vous ça quand tu suis nul. Redonne sa chance à un Metroidvania, au fait. Oui, mais alors non. C'est pas un vrai Metroidvania. Du coup, tu vois, il y aura de l'enquête, beaucoup, des trucs comme ça. J'ai vu dans les commentaires, les gens ils sont déçus que ce soit pas un Metroidvania vraiment. Et bah ça me va très bien. Ça va, Bellofi? Non, mais j'aime pas, effectivement, j'aime pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la DA, l'enquête, et le fait qu'apparemment, le côté Metroidvania soit pas du tout à la hauteur de ce que les fans voudraient. Ce qui me va très bien. This must be the woman my father loves. The embers of love are buried beneath the ash. Après, c'est l'amour. Bon, hein, j'ai pas le temps de lire, excusez-moi. Je regardais à côté. Ok. Nouvelle épouse de mon père, donc on est chez lui. Enfin, chez son père. Elle est belle, mais ses yeux ont l'air tristes. Ah, et puis elle n'a pas de bouche, hein. Ainsi que j'ai toujours imaginé ma mère. Ah, il connaît pas sa maman. Ok. Et puis voilà, regardez-moi ce style. Bof bof, et toi? Ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Pelofi, petit... Petite période un peu de cafard, comme tu m'avais déjà dit. J'espère que ça va un peu passer, et qu'on te fait un peu penser à autre chose, au moins. Bisous Lox, bisous Lox, putain bisous Nico Piro. Je vois, j'attends mon au revoir, j'attends le adieu de Lox, et du coup je dis Lox. Je suis vraiment mais égocentrique as fuck. Bisous Nico, bon courage pour le travail, excuse-moi. Mais non, il a dit qu'il devait nous quitter à 22h30. Des bisous. Toute fois où j'ai streamé, c'était sur Cyberpunk sur Discord pour des potes qui ne l'avaient pas. Oui, oui, ça je comprends. Ça allait parce que je les connaissais, mais c'était quand même stressful. J'aime pas du tout. Ouais, ah bah oui, quand t'as pas l'habitude, c'est stressant. Après, au bout d'un moment, tu finis par t'en foutre de tout, mais c'est stressant. Moi, ça me fait toujours un peu ça quand je dessine, par exemple. Ouais, c'est ça, il y a du lore sur le jeu, effectivement, Sam, et voilà, un côté enquête et tout, qui, moi, m'intéresse, on verra. On verra. Franchement, si c'est trop Metroidvania, bah, je laisserai peut-être, on verra. Tu te fais des zombies dans le miroir aussi? Ah, c'est ça, quand on s'adore, écoute. Salut, Titi Belle, comment ça va? Et t'es là, je vais tout de même bien. Bah, c'est trop mignon. Ça me fait très plaisir si j'arrive un tout petit peu à vous faire penser à autre chose quand ça va pas. Bah, ça encore, on n'a pas, hein. Ça va être... J'imagine qu'on est dans l'espace principal où on va débloquer petit à petit des endroits et tout. On n'a toujours pas visité l'étage. Mais enfin, Lox, c'est toi, Lox? C'est pas faux. Un mauvais pressentiment pour votre sœur. I'm supposed to be the one. Je suis censé avoir un mauvais pressentiment, pas toi. Ressaisis-toi, Bénédicte. On est Bénédicte du coup, voilà, ça je savais pas. Clé avec symbole. Ah, je peux l'avoir. Oh, il y a un petit rat. Il y a un petit rat tout. Attendez, il y avait écrit clé avec symbole, mais j'ai qu'une clé là. Ah. Clé. Bah. Clé avec symbole. Ah, c'est que j'ai utilisé la clé avec symbole. Bon, on y va. Hein. Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ça va, comme je disais hier, c'était pas la grande forme. J'avais vraiment besoin de dormir et de me poser. Et là, ça va beaucoup mieux. Et je suis curieuse. J'ai perdu mon père avant d'avoir eu la chance de le connaître. Je vais essayer de lire et de me concentrer. Je sens ton désespoir. Benoît, Bénédicte, pas Benoît, merde.
Mais cela ne m'empêche pas de percevoir les sentiments du cadavre que tu appelles ton père. Son chagrin et sa peur n'ont pas encore diminué. L'ombre si dense et la folie si féroce que je peux à peine tenir. De peur qu'il ne m'attire aussi. Aucun signe de lutte autour de lui, et pourtant il se défend désespérément. Mais de qui ? The trail of blood leads to this. Traînée de sang mène à cette serrure. Not all is lost yet. Tout n'est pas encore perdu. Je peux lui guider à travers ses souvenirs, Bénédicte. Je vous traduis tout. Merci beaucoup, j'ai pas d'excuse pour le petit raid, j'allais dire un raid avec J devant, le dread, mais c'est chelou. Merci, nous sommes sur une découverte d'un jeu indé. Merci beaucoup. On n'est pas sur Genshin, non, ce sera tout à l'heure, ça. Et j'espère que ça s'est bien passé. Le petit Burgie. Si c'était ce soir, il me semble que c'était ce soir, mais j'ai peut-être des soucis. Peut-être des soucis dans le... Merci beaucoup pour la dédicace. Dans ma temporalité, dans ma tête. Merci, bienvenue. C'est adorable. Passez voir Jay. Il fait du contenu quali, recherché. Il propose des choses. Tout l'inverse de moi. Bah, Kios, tu es Lox. Aucun effort. Arnon. Un jeu, un Jay. J'aime bien. Eh, c'est bête, mais j'aime bien. Ah, ce petit effet là, c'est pas incroyable, hein, j'aime bien. Mensonge. C'est dommage que ce soit pas en français. Mais oui. Je vais... Attends, vous savez quoi? Je vais mettre les dialogues moins forts, comme ça je pourrais les doubler facilement. Parce que ça aussi, c'est que pour moi... Je fais n'importe quoi! Pour moi là, j'ai mis le son des voix trop fort. Pour avoir l'ambiance, mais en fait... En fait, vu que je vais parler par-dessus, ça va être sûr. Donc on va faire le volume des dialogues, on va baisser. Et volume principal, un chouille aussi. Je pense que ce sera pas mal. On va tester. Comme ça, je pourrai plus facilement parler par-dessus. Bon, j'y vais là. Oh putain! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, si je riche pas à tirer. Tiens. J'ai des balles limitées ou pas? Franchement, sinon je tente des trucs, hein. Penilos, ça, quand même. Allez, me tire, loser. Moi, j'ai des jambes. Toi, t'as des tentacules et moi, je t'en... Je déconnais. C'était juste pour la rime un peu bizarre. J'ai même pas dit, je me suis censuré moi-même et j'ai bip. Alors. Ah, je peux pas faire mon double saut. Va falloir que je trouve une technique. Ah, mais si, c'était ça. J'ai pas la technique. J'ai pas sauté. Ça se tente en tout cas. Ça se tente. Bisous Jay, merci beaucoup. Merci pour le raid. Ah mince, c'est pas lui. Elle est la forme de l'abomination de l'apparence humaine, comme une glaire dans un poumon. Elle colle à l'esprit une masse affecte, une maladive, d'encre ou je ne sais pas quoi. Ah, c'est ça aussi, faut que je sois à fond. Ok. Donc c'est ça va pas. Toi, t'es pas en forme, toi. Attends, j'ai un flingue. T'as raté. Attends, je vais essayer de pas te rater, moi. Mais merde, j'ai plus de balles. Ah oui, ça doit être... Ah, oh, c'est du sang. Mes balles, je crois que c'est du sang. Enfin, c'est du sang. On voit des gouttes violettes là-bas. Je veux dire, vu l'univers, c'est du sang ou des larmes, c'est un truc... glauque, ce sera pas l'huile de coco, cette goutte, ça c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut que j'utilise pour tuer. Mais là, j'en ai plus.
non, c'est peut-être pour mon flingue, ça. Genre, maintenant, je peux... Ah ouais, c'est la lune. En fait, c'est la lune. Et là, maintenant, j'ai des gouttes de coco. Des gouttes de lait de coco. D'huile de coco. Huile ou lait? Oh, plutôt huile. Je n'ai pas compris tout encore, mais vraiment, je débute. Et sachez que j'ai suivi, hein, j'ai à peu près tout suivi, mais pour le moment, je n'ai pas tout compris. Comment je descends ici? Vu qu'on n'est pas en 3D, il n'y a pas de profondeur dans le jeu. Donc bon, alors qu'on fasse autrement. Non mais allez, faire un effort. Hein. Non mais vraiment? Voilà. 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 Une page de carnet. Une page de carnet décrivant les clés. Il semble que la dernière puisse être imprégnée de n'importe quel chiffre. Il me suffit de la trouver. N'importe quel quoi? Chiffre, il a dit? C'est moi, enfin, c'est moi qui l'ai dit, mais il a dit? En tout cas, on enquête apparemment sur notre père. Voilà. On pourrait parler de pédoncule pour la rime. La tante à qui? C'est que Toulouse, oui, il y a vraiment un délire lovecraftien, tout à fait. Une page de carnet décrivant les clés tirées du journal de Von Bothmer. Il semble que mon père en est également servi. Mais oui, non mais ça, je me doutais, moi, qu'il fallait combiner des clés, je le savais. Moi, je savais, j'ai compris, hein. Quatre clés devraient suffire pour l'instant. Je vais en utiliser trois pour lui apprendre les bases. Une fois que ce sera fait, je lui présenterai la clé principale du Mysterium. Elle pourra définir n'importe quelle valeur sur le Mysterium. Elle appliquait à la clé AVB. Non, elle appliquait la clé point. Signé AVB, genre. Trouver presque toutes les clés, je suis arrivée à un point où je dois toujours en avoir. Où je dois toujours avoir un carnet avec des diagrammes sur moi pour entrer dans certaines salles. Je suis presque sûre. Je ne les ai pas encore toutes découvertes, ce pauvre fou. Waouh! Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça va être cryptique, hein. Oh punaise, qu'est-ce que j'ai lancé comme jeu? Je suis pas prête, je crois. Ah, je peux pas descendre, ok. On va aller par là. Rien méchant. Hop là! Ah! Ah! Wouah, j'ai pris cher! Je sais plus comment esquiver! Non, c'est pas ça, hein. Non, ça c'est paré. Je vais essayer de parer. Ok. Ok, j'ai paré. Ok, il me propose pas d'utiliser de clé, donc je peux pas encore. Ouais, dust, moi je trouve sable un peu, hein. Ok. Attends! Ah, je sais plus! Ok. Faut que je fasse au bon moment. C'est pas au bon moment. Oh, c'est au bon moment, là! Tu m'emmerdes! Tiens! C'est ma vie, vous croyez, les trucs rouges ou les trucs jaunes? Salle à manger. Oh bah oui, ça se voit. On est dans la salle à manger, là. Pourquoi pas? Arrête tout. Oh, cette haine. Mais non, c'est pas de la haine. C'est du bon, on va pas y passer la nuit, tu vois. Tu vois? Est-ce que tu vois? Ok. Grimper peinture d'un rat de l'organisation. Regardons le rat. L'appareil qui amplifie notre connexion. Dans les souvenirs de mon père. Ici entre les mains du rat de l'organisation, Benedicta. Alors des fois il l'appelle Benoît. Mais ça c'est la trad, je pense. Parce que certains se sont dit non mais Benedicta, en vrai ils vont pas comprendre si on met ça alors que c'est un garçon. On va mettre Benoît. J'ai rien contre ce prénom.
disons qu'il s'appelle pas Benoît. Un tour d'un rat de l'organisation, est-ce que je peux... Machin, ok, bon, un délire un peu... ouais, voilà, quoi. Le style est inspiré de quelque chose qu'on a probablement déjà vu au cours de l'histoire, je dois dire. Après, on est dans les années genre 30, je crois. Mec de la Wehrmacht, voilà, voilà, hein, tout à fait. Tout à fait. Bon, bref, il a un appareil que nous, on a, et qui amplifie des trucs. Grimper. Je peux grimper, genre, tout de suite. Merci beaucoup, Kitame! Merci pour le flan, pas du tout pour le sang. Je suis pas concentrée ce soir. Ou alors en deux mots. Merci! Merci beaucoup pour ce deuxième mois d'abo, c'est très mignon, merci beaucoup. Oh. Attendez. Les Céoliens doivent périr pour que tu puisses retrouver le chemin de la maison, Bénédicte. Ça me saoule qu'ils me disent mon nom à chaque fois. Genre, imaginons, quelqu'un essaye de m'expliquer quelque chose et me dit « Mais tu vois, Alox, faudrait faire ça, Alox. Il faut aller là, Alox. Il faut aller là, Alox. Faut faire ça, Alox. Faut les tuer, Alox. Le chemin, c'est par là, Alox. » Vous trouvez pas que c'est un peu plus, un peu condescendant, genre? Vous trouvez pas, en vrai? Question pop culture, je vais la dire tout de suite. Excusez-moi, on avance très très lentement. Ok. Pff, non mais je peux pas... Non mais vas-y, c'est des rêves de série que personne regarde là. Qui regarde le True Blood? Les os, hein. Alors. Ça, je sais que des gens l'ont regardé dans mon chat. Enfin, des gens m'en ont déjà parlé. Moi, j'avais pas trop été attirée, mais du coup, vous aurez peut-être la ref. Ou alors l'autre. Oh non, ça, ce sera plus mieux. Vas-y, c'est bon, pardon. Alors, ce sera une question, du coup, série TV, parce que là, apparemment, j'ai mal mélangé les cartes, j'en ai plusieurs d'affilée. Dans Stargate SG-1, quel est le nom du Jaffa qui fait partie de l'équipe de Jack O'Neill? C'est Bratak. Kill... Ah, bah non, mais on... Pardon, bah non, mais je vous le dis pas. Non mais c'est écrit d'une manière. J'ai pas su le dire. Tilk, tout à fait, vous l'avez tous. Mais en fait, Tilk, ça s'écrit T-E-A-L apostrophe C. Donc j'allais dire Telsi. Enfin, j'avais pas dû tout dire Tilk. Et sinon, il proposait Bratak. Bah ouais, bon, j'avoue, c'est giga facile. Effectivement, c'est Tilk. Ancien primate d'Apophis. Bref, j'ai pas trop regardé. Autre question. Lequel de ces acteurs n'est pas au casting de la première saison de Westworld? Anthony Hopkins, Ed Harris ou Woody Harrelson? Je sais plus qui c'est Ed Harris. Je sais plus à quoi ressemble. C'est dit, bravo, vous l'aviez tous. Tu obéis pas au jeu normal, Lox, il dit... Tu obéis pas au jeu normal, il dispute Lox. Mais oui, c'est ça! Il me dispute, mais pas... J'obéis, j'avance, je fais des trucs, salut Amitou. Moi, je trouve que je suis active. Je suis choquée. Ouais, voilà Tilk qui est comme ça exactement. Qui est Bratak? Non mais c'est que c'était des propositions. Il y avait Bratak, Tilk et machin. Je me suis dit, mais je vais pas le dire Tilk. Et ils l'auront forcément. Mais du coup voilà, qui n'est pas au casting de la première saison de Westworld? Anthony Hopkins, Ed Harris ou Woody Harrelson? Je vais vous dire ça tout de suite. Ok. Bah oui, c'est ça, question, c'est Woody Harrelson, exactement. Je l'ai pas vu Westworld, je pense qu'un de ces quatre, j'essaierai de tenter. Le délire me parle pas beaucoup. Je pense que j'ai peur de pas pouvoir lui faire de mal. Enfin, pardon, c'est bizarre ce que je dis, j'ai peur de pas pouvoir le tuer vu qu'il est là. Oh, point d'ancrage. Waouh. Oh, il y a une petite araignée au premier plan, regardez comme elle est stylée. Oh, j'aime trop ça, c'est des détails que j'adore. Regardez. Je vous la montre sur l'écran. Regardez. Mais il y a une araignée. Tu sais qui est Bratak? Question pour le chat. Ah, parce que c'est vraiment un personnage qui existe. Femme fatale. Attendez, je vais faire ça d'abord. Je suis là, ok. Déposer l'encre. Recharge d'objet. Se téléporter. Déposer l'encre. Voilà. Recharge d'objet. Ok. Et là, je peux me téléporter. C'est des points de téléportation, incroyable! Ok. Ah, je peux aller... Ok, je peux dasher. Ah oui, oui d'accord, effectivement, quelqu'un. Mais là, je peux pas faire de double saut, donc je pourrais pas monter par là.
Donc on va devoir faire un bon détour, je pense. This foul ink seems to adhere to everything. Cette encre nous abonde comme le coller à tout, pardon. L'ego de ton père a souffert plus que nous ne l'avions prévu. Il est blessé, dévoré par l'affection, criblé de gangrène. Bénédictin. Ça m'énerve, il répond que tu... Alors j'imagine que ça fait partie du DEL, hein, mais ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir quelqu'un qui te dit en permanence des trucs, mais qui en plus accentue ce qu'il te dit par ton nom à la fin. C'est le mentor de Tilk, un Jaffa. Ah ouais, un Jaffa aussi. Bratak, putain, bravo, mais vous êtes fous. Lurk, il est un bon Lurk. Chat GPT boosté à la testostérone. J'ai adoré ce jeu, Benedict Fox. Ah ouais, il est sorti il y a pas longtemps, tu l'as déjà fait? Bon, je pense qu'il est pas très long, remarque. Oh, OMG. Wow. Je me fais cracher dessus par une porte. C'est un quel level de bullying, ça? Je peux aller là? Oh, en fait, je saute par-dessus, mais j'ai pas besoin. D'accord. Là, je descends encore. Ah, wow. Faut peut-être que je cours des fois. J'arrive plus à remonter. Merde. Oh, mais là je veux que descendre alors qu'à la base je voulais encore plus monter. Bon d'accord, je vais me faire la thé par de l'eau bleue là. Bon. Bah on descend. J'ai raté. On a pas le time là, c'est bon. Ah! Arrête. Je sais pas comment esquiver, ça m'énerve. Oh, ça marche pas. Attendez, faut que je teste l'esquive là, ça m'énerve. Tout à l'heure, j'ai su au clavier, mais j'ai pas réussi à le faire. Oui, c'était deux fois ça et ça. Y peut-être, genre, deux fois Y et ça. Non, mais je sais pas. Attendez, y'a un truc là, avec les touches. J'ai pas là. Non, je veux pas revenir au menu principal, attends. Schéma de la manette. Esquive. Mais c'est pas juste ça. Ah, d'accord. Oui, c'est deux fois, c'est pas une fois. Ok. C'est bizarre du coup. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah. Souvenir gênant, maintes fois analysé. Honteux, irritant, inconfortable même pour moi. Bénédicte. On le connaît, hein. On connaît un peu cette pose là. Cette pose du gars qui a juté trop tôt là. On le reconnaît, hein. C'est pas grave. Tu l'as juste déçu à vie par contre. Ça se voit clairement. Ça arrive, hein. Ça c'est pire encore. Meuf qui arrive et tu sais, ça arrive. Le juteur. Le gars qui a quoi? Je sais pas. J'étais pas là. Je sais pas, hein. Moi j'enquête, moi. Laissez-moi enquêter, là. C'est des gamins. Oh non, mais je peux aller par mille endroits. Mais non, je peux pas aller par là, donc j'y vais pas. Je vais tellement die. J'ai sa verre. Je trompe. De quoi? Attends, j'arrive pas à lire le mot que tu dis. Je trompe Fappuccino. Ça va, j'ai réussi à le dire en fait. Tout homme se reconnaît dans cette situation. Non mais on le voit là, il est tout penaud. Ah, pour continuer.
Tu sais, il y a des traitements pour ça. Les larmes t'ont banni. Ok. Donc ça, ça me gueule dessus. Ça, ça m'éclate la gueule. Ah mais on est bien là. On commence à... Du coup... J'ai réussi. Arrête. Putain. Arrête. Je me fais bully. Vas-y. Oh, ils peuvent se tuer entre eux, les losers. Bah dis donc. Bah dis donc. On tue ses potes. Là, c'est rouge. Ah oui, le souvenir honteux. Oh, mais je pense que là, je peux y aller, là. Attendez, si je fais... Voilà. Là, du coup, je vais là. Nickel. Ah ! Oh, toi. Alors, j'en ai marre de ça. C'est nickel à la manette. C'est nickel. Ça se passe super. Non, non, les petits allers-retours étaient parfaitement contrôlés. C'était juste pour m'échauffer le poignet. Ah, il a craqué. Le poignet craque, hein, moi. Hein. J'ai réussi, c'est bon. Oh, mais c'est encore lié à un truc. Merde. Oh non, j'ai plus de... Ah ! Arrête, arrête, arrête. Je prends une popo. Voilà. C'est quoi ce bruit de démarreur, là? Je vais te démarrer, moi. Ah, ça. Et là, du coup, on peut recharger... Alors, je dépose de l'encre. Pourquoi, je ne sais pas. Je recharge mes objets, donc ma popo, ma vie. Et je peux me téléporter. Je vois un coup, je vois un coup. Salut, code 4. Comment ça va, code 4? On m'a toujours dit qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de juter. Je pourrais faire encore plus d'analogies, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a quand même une VOD. Théorie, le jeu, non. Ouais, j'ai l'impression. Du coup, j'ai peur. Parce que vraiment pas une bonne expérience pour moi, Ori. Même si jeu de fou quand on aime le style de jeu. Complètement. Moi j'ai peur. Mais on va voir, on va voir. Donc là on a quoi ici? On a rien. Ça va et toi mieux? Ouais ouais, vraiment beaucoup mieux. Vous êtes adorable de vous soucier comme ça, merci beaucoup. Je suis très touchée. Et c'est trop mignon. Ah voilà, j'ai ouvert cette porte là, ok. Petit raccourci. Non mais stop, stop, le son qui est à ma gauche là. Du coup j'entends que dans l'oreille gauche et j'aime pas une nouvelle zone ajoutée sur la carte. Mais c'est trop grand. Ok, va se passer un truc. Attention, je me prépare à doubler. Ah ! Action parfaitement mature. Je sais plus comment en parer. Notre trumeuse. Complètement le style en moins mignon. Avec Ori, au moins c'était mignon. Oh non, il y a le démarreur, il est toujours là. C'est pas grave. Vas-y, là. Au pire, moi je monte. Au pire, je fais le boss genre plus tard. Ça va. Interagir. Okay. Ah, symbole sculpté. Symbole ensemble, un des symboles sur les clés. Un bien plus compliqué.
Je ne sais toujours pas quoi en faire. Moi, je sais, moi. Il faut combiner les clés, moi. Je sais. Hein. Symbole sculpté. C'est pas sculpté, c'est gravé. Excuse-moi. Et là, je peux interagir avec ça, mais je ne sais pas quoi faire. En fait, je peux faire que B. Donc... Nice. Non mais j'arrive au même endroit, mais non. Mais je vais jamais réussir, j'ai pas les armes, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai la même réaction que toi la première fois, il y a un jumpscare de l'espace. Mais oui, et franchement par réflexe j'ai fait partir mon perso. Ah, trop tôt. Je l'ai vu. Ah, j'ai plus. Tchou, je suis là. Trop tôt. Ça parle de Stargate dans le chat. Je suis passée un peu à côté de Stargate, j'avoue. Par contre, les dimensions, rien à voir avec Henri. Ouais, j'allais dire avec Henri. Henri et la forêt aveugle. Henri. Ça a rien à voir avec... Enfin, ça... Ce que j'aime bien, c'est le côté enquête et tout ça qu'on n'aura pas... Qu'on n'a pas dans Ori. Ori, c'est plutôt... plutôt un objectif un petit peu... Je sais plus, mais... pas une enquête, quoi. J'étais trop jeune, je pense. Ouais, c'est un chouïa. J'étais petit... J'étais plutôt jeune quand le truc est sorti. J'ai paré pourtant, merde. Mais je suis censée aller où là du coup? Hein? Je vais où moi? Je suis vraiment un petit caca. Hein. Mais je partais! Faut que j'apprenne à esquiver, à courir. Non mais ça c'est chiant! On met trop de temps à retourner à la zone. Ça me saoule! Et c'est quoi ce truc? Oh! Oh! Dans le chargement on peut bouger? Nice. Il me cramer. Ah non, mais c'est pas par là. Mais qu'est-ce que je fais ici aussi, moi? Le boss va t'apprendre à bien maîtriser les mouvements de base, mais dans la douleur. Nice. Là. Ah merde! J'ai oublié la touche, ça. Un suple gonze là.
J'ai progressé, je trouve. Il y a une petite courbe de progression qui commence à s'instaurer, là. On a survécu plus de 30 secondes. Je... tue quand même, ça va, hein. C'est... Mais j'ai pas de barre de vie, donc, pour eux. C'est-à-dire que moi, je me vois mourir, mais eux, non, quoi. Je me demande d'avoir du skill pour jouer. Mais non, mais c'est surtout insupportable parce que bordel, je veux pas être dans Elden Ring. En vrai, le premier boss dans Elden, je l'ai éclaté. Voilà. Il te fait moins de dégâts que ce que j'ai connu. Bah oui, bien sûr que je suis au niveau normal. Bien sûr, mais j'aime pas les Metroidvania, moi. J'essaie d'esquiver, j'y arrive pas. Hein. Ça, j'y arrive pas, j'ai pas le réflexe. Là, vas-y, je me tue. Tiens. Ah. Allez. Je tue le pu. Je tue le pu de sa tête. Je vais t'éclater de pustule au bras. Je me suis fait éclater. Par un pu. Non, ça va le faire, ça va le faire. T'as pas payé le jeu, tu critiques pas. C'est vrai, c'est pas payé. Non mais oui, je vais... Non mais j'avoue. Le jeu a l'air bien. Ouais. Juste, c'est tout ce que je déteste dans le gaming. Mais le jeu a l'air trop bien. Mais non, mais les Metroidvania, c'est du skill, de la patience, tout ce... Est-ce que vraiment c'est ce qui me caractérise? Ça me donne chaud en plus. Allez, c'est bon. Bla. Arrête, non, juste ce que tu veux. Ta mère. Ok, je progresse de fou là. Oh le putain, la barre de progression, la courbe là. La courbe est parfaitement verticale. Je suis dans... On apprenait tous les jours.
J'apprends ça. Progression verticale étalée à l'horizontale. M'a étalé là. Horizon étalé. Non mais... Quand même. Il y a un progrès. Ah ça m'énerve. Ça m'énerve, le jeu il fait le malin là. Je m'en fous, je m'enlève. Je m'en fous. Ta merde. Excusez-moi, je m'impatiente. Je sais pas si où aller. Ah mais je peux me heal. Je viens de le faire mais du coup j'y ai pensé en le faisant et du coup j'ai pris du temps. Ah, dans ma gueule la pierre. Non mais je m'impatiente, pardon, je m'impatiente. Beaucoup plus vite que moi c'est certain. Bah oui, je suis en facile. Moi je suis en mode, il y a un mode chill et un mode moins chill. Enfin chill. Voilà, hein. Donc forcément ça mais je sais, moi dans ces jeux là, faut surtout pas que je les mette en difficile. Sinon, juste, j'abandonne. J'abandonne. Mais là, on va pas abandonner, là, on va le faire, là. Ça va être ok, là. Petite VOD de 6 heures sur le boss, là. Let's go. Attendez, l'esquive. J'ai pas besoin d'appuyer deux fois, en fait. Regarde. L'horizontale est une orientation parallèle à l'horizon et perpendiculaire à la verticale. Une ligne horizontale va de la gauche vers la droite ou vice-versa. Merci Fernandius, merci beaucoup. Ça jaillit le pu. On défonce le furoncle. Ça va? On est en normal. On est en mode normal. Voilà. Mais ça va quand même. On a réussi. C'est officiel, c'est l'octet. Oh Martian. Oh le bruitage, beaucoup trop fort. Je peux me téléporter. Peut-être que je me retéléporte et que j'aille ailleurs, genre. Je sais pas. On verra. Je vais avancer, genre. C'est quoi, genre. Hop, ascenseur. Merci beaucoup. Merci. J'avais aucun doute. Hop, petit ascenseur pour aller ici. Juste profiter du moment et puis repartir parce qu'on n'a rien à faire là. Non, c'est bon, c'est par là, j'ai rien dit. Bureau de bref repère. Bah, ça se voit, dis donc. Johnny Bureau. Ah, revivre des souvenirs. Oula. C'est quoi ça? La Terre tremble comme sous l'effet de l'intensité émotionnelle. Réponds toi-même à la question, connard. Ah d'accord, j'ai place. Pardon. Tandis qu'on a le truc... C'était quoi? Vous savez le test de sonore qu'il y avait au début du cinéma?
C'est ça un peu, non? J'interagis. Look, the combination. Regarde la combinaison. Et fais une petite capture d'écran vite fait, s'il te plaît. Je fais ça. Capture d'écran, attendez. Hop. Hop là. Attention, je fais la capture. Attention. Région. Et voilà. J'ai bon. La combinaison. Let's go. La maison est particulièrement moulante. Bobby. Mal au crâne quand même, c'est vrai. Ah, ils se sont engueulés, la maman est partie. Bon bah, let's go, hein, partout, hein. Ah non, suite du souvenir, pardon. Peut-être que d'autres choses se sont produites ailleurs. Bénédicte. Ok, donc elle a essayé de partir avec un truc. Elle est par terre là? Oh, oh le bâtard. Et voilà, elle s'en va en courant et lui il est content, il a gardé son catalogue Ikea. Ok, j'essaye de partir mais ça veut pas. On va quitter. Bon, c'est bon, hein. Ah oui, il faut rester appuyé, pardon. Life made an appearance in the house. La vie a fait son apparition dans la maison. Benedict. Examinons-la. Benedict. Oui. Là j'examine. Ah. Mais tout qui bouge. Je peux rien faire, examinons là. Examinons quoi? La vie? Ah, je... J'ai plein de moyens de faire ça, tu sais. J'ai pas de microscope là. Ah, examinons là genre peut-être dans le sac. Je l'ai pas inspecté. Ah. Je t'envoie ma photo mais tu n'en aimeras pas, c'est sûr. Et ce n'est pas grave. Elle aime tellement pas qu'il l'a mis dans un cadre en plein milieu de son salon, quoi. Non mais ça va, la meuf qui fait trop genre... Non mais je sais, je suis pas photogénique. C'est le modèle Instagram qui te fait une photo de ouf en mode full filtre, tout pimpante et tout, et fait « Non mais je l'ai faite vite faire. » Pardon, ça j'extrapole de fou, excusez-moi. En vrai c'est mignon, elle lui envoie une photo en disant « Bon, tant pis si tu l'aimes pas, t'as une photo de moi quand même. » En vrai c'est plutôt cute. Un peu tristoun et cute. Bah j'ai rien d'observer ici hein. Avancer sur Zelda ou sourire... Ou suivre... Ah, avancer sur Zelda ou suivre Lox TV, le dilemme. Mais tu peux faire les deux, tu peux faire les deux. Mets-toi Zelda tranquille. Garde mon audio et puis voilà, c'est nickel. Non, on faisait Zelda Zedlan ce week-end, non? Hop là. Ça me fane le cœur, oui. Bon bah je pense que j'ai bien avancé dans cette zone. Ah, examinons là, peut-être qu'il faut que du coup je retourne à la... J'aimerais bien retourner dans l'autre dimension mais je sais pas comment. Est-ce que ça me propose de me téléporter? Là c'est le limbe. Mais je voudrais... Ah voilà, vestibule. Allez, ouais voilà c'était ça. J'aime bien le film Les Ailes de l'Enfer. Je suis pas capable, je suis un vieil homme, rappelez-vous, mais si t'es capable, oh, on est fort, on est fort.
Vous pouvez utiliser la carte pour vous téléporter au point d'ancrage évoqué précédemment. Ouais. Oh, papa. Hi, Dad. Long time no see. It is good to see you. C'est bon de te voir, vieux diable. Encore des ennuis, je présume. J'ai l'impression qu'Harry te connaît mieux que toi-même. You got that thing I asked you about? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Au cul de chouette. Il faut juste 120 ou 130 artichauts. J'ai trouvé. L'amplificateur, on l'avait déjà, non? Appareil merveilleux qui m'aide à accéder en toute sécurité aux capacités du compagnon. L'abrite un Néantus, une créature qui n'est ni ici ni ailleurs. Bien fragile, un prototype de moi. Ok. Thanks. And by the way, I have some amber for you. Sorry, but these... Les éléments ne valent rien pour moi. Personne ne sait quoi en faire. Mais si en cours de route, tu déterres des brides de souvenirs, sens-toi libre de venir les consulter mes marchandises. Mais c'est bizarre un peu. C'est un peu foufou, non? Ok. Améliorer. Oh, je peux améliorer des trucs! Oh putain! Acheter. Attends, je sais pas. Ok. Ce liquide rafraîchissant régénère ma santé. Alors oui, mais ça veut dire que j'aurai deux charges par exemple? Bon, c'est forcément très bien. Ah, je peux l'améliorer, c'est ça? Tout n'est que poutre aux yeux. Bombe fumigène, ça peut être bien aussi. Peut-être privilégier la vie au début, non? Ouais. Moi, je dis que ouais. Améliorer la quantité, améliorer la qualité. Hein? Ah ouais, c'est pas du tout la thune en fait. Ah ouais. Bah sinon... fumichène, non hein? Fumichan. Voilà. Comment je l'utilise? I've got what I needed. Till next time. La célèbre poudre apparente. Attention, l'organisation de l'ordre ne plaisante pas. Tu n'as pas beaucoup de temps avant qu'il débarque. Débarquer pourquoi hein? Ouais, c'est exactement ça, Mitu. Je vois le message que tu as mis pour Grisou. Effectivement. J'espère que je vais pas trop souffrir mes modos. Parce que bah merci d'être là. Je vais peut-être aller jouer au jeu qui a été honteusement copié par Zelda. Minière, va dire ça. Donc là je peux changer là. Ok. Elle va me dire, tu peux arrêter de jouer avec la radio s'il te plaît, j'écoutais en fait. Alors, on va essayer de faire des trucs. Tiroir. On a une capture d'écran. C'est meilleur que l'original. Si c'est meilleur que l'original, c'est pas du plagiat. C'est pas... Non mais c'est pas meilleur, c'est même pas la... Arrêtez hein. Arrêtez avec Genshin. Ouais, j'aime beaucoup, hein, mais non. Alors. Ah merde, faut que j'affiche. Arrgh, attendez, faut que j'affiche dans le dossier. Ouvrir. Le fichier. Sinon, ce fichier. Voilà. Alors. J'ai la capture d'écran. Du coup, c'était comme ça. Ensuite. Comme ça. Ensuite. Comme ça. Et on a une autre clé. Est-ce que je peux déjà les combiner? Ou pas? Et c'était là. Ah! Oui.
Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Faut pas le laisser enfermer, ce machin. Faut faire quelque chose, là. Du coup, j'ai deux clés. Mais j'aimerais bien les combiner. Et je ne peux pas encore, je pense. Je peux pas. Hein. Bon, bah de toute façon, il m'en faut au moins trois, je pense. De ce que j'ai vu. Donc, c'est pas... C'est ça. J'ai ça. Il m'en faudra, en fait, encore deux. On dirait ma fille dans le babyphone. Je plaisante, mais quelle horreur. Qu'est-ce que t'as engendré, Infernalo, là? Non, ça on n'a pas encore. Non, on peut le faire, mais on n'a pas encore de trucs. Donc j'ai ouvert, j'ai une clé, c'est cool, mais en fait faut qu'on continue, j'imagine. Et là, j'y suis allée ou pas? Oui. J'étais pas allée à l'étage, je vais y aller vite fait. J'étais passée rapidement, mais sans aller plus loin. Là, on va y aller. Le piano. Merci à tous. Hey go, comment vas-tu? Oh, pas pratique comme chambre, tout en couloir. Trop de sons différents, non, c'était parfait. C'était de la... C'est les courants actuels, quoi. Bonsoir, Néostartivis. Moi, j'ai mis un S. Ça fait plus swag. Hello. Ils ont fait quelques petites erreurs sur les accords, mais le piano est sympa. Non, mais je compense les erreurs d'accords, moi. Tu commences tout juste? Ouais, j'ai commencé il y a... Une heure et quart. Donc j'ai pas fait grand chose encore. J'ai juste chopé deux clés, en gros. Qui me serviront sans doute plus tard, mais pour le moment j'ai pas... Petite pyjamousse partie. Étrange, il n'y a aucune mention d'un enfant dans leur dossier. Ai-je un frère ou une sœur? Ou peut-être que c'est ton truc à toi, en fait, espèce de crétinus. Il y a des incohérences dans les dossiers que j'ai volés. Il n'y a rien au sujet de l'enfant. Ou bien ils ont désobéi à l'ordre irradéi et ils ont eu un enfant illégal. Mais c'est toi, bro. Moi, je pense que c'est souvenir de toi, mec. Parce qu'on parle plein de son père, toujours. Je comprends rien à cette enquête, mais j'essaye. Franchement, j'essaye. Alors, on a fait du piano, on a vu la chambre. Oh, mais attendez, il y avait un truc là. On a vu la salle de bain où je peux rien faire pour le moment. Donc on va repartir explorer des trucs. J'ai un fumichin, non, maintenant. Je sais pas comment l'utiliser du tout. C'est vrai que je retrouve mes lunettes à vert, bleu et rouge. J'ai l'impression qu'ils utilisent un peu cette technologie 3D. J'avoue. C'est vrai que si vous avez des lunettes 3D, je pense que vous pouvez être bien. Ok, bon, on a ouvert ce tiroir. C'est une bonne chose. Papa, truc à dire ? Boutique. Ah bah non, c'est la boutique. Là, j'ai mis la musique. Bon bah... On va s'en aller, hein. Alors, je crois qu'il faut que je passe au sous-sol pour partir. Ou alors, juste, je fais start. Ah, tout à droite, attendez. Est-ce que j'y suis allée? Porte à symbole. Oui, mais j'y ai pas le symbole. À moins que je mette le même. Non, mais c'est pas le même, c'est sûr. Ah, mais j'ai pas le symbole. Bon, on va s'en aller. Tester un petit peu ce jeu, j'ai vraiment pas accroché. Ah, c'est spécial, hein. On t'aide pas beaucoup, quoi. Interagir. Oh, mais j'avais pas interagi avec le corps. Ah si, attends. Ah merde, je voulais interagir avec la porte, du coup. Ah, mais du coup, je suis là. Mais je peux me TP. Entrée des limbes. Non, attends. Je suis fait retourner à la maison. Afficher les points d'ancrage. Ah, merci.
Voilà la porte. Attends. Mais attention. Ça zoome de fou là. Attends. On va re-ancrer là. Et je vais juste essayer de passer la porte. Elle sera... Enfin, la porte. La porte du sous-sol. Elle sera fermée, c'est sûr, mais je vais essayer. Il est beau ce jeu. Ouais. Et tout est... Il y a plein de petites animations, de trucs en premier plan et tout, qui sont bien classe. Le boss aussi qu'on avait, on avait qu'un boss pour le moment, était bien stylé. Bien creepy, tout ça. L'ambiance est très cool. Et pour le moment, le truc, c'est que on est perdu, quoi. Ça se voit qu'on est perdu ou pas? Idée de ce que je suis en train de faire là. Genius. How did he keep this secret? Comment a-t-il pu garder ce secret? Est-ce vraiment le cas? Tu as raison. Dans la carte, dans le portefeuille. Non. Ils ne l'ont pas mis sous les verrous. Cela dit, il devrait y avoir quelque chose. J'ai pas eu le temps de lire parce que je faisais mes paramètres et merde. Notes of a madman. Les notes d'un fou ou d'un génie. Ou les deux. Enfin. Bah oui, tout, génie incompris, tout ça. Un autre trop cramé pour être utile, mais je parie qu'on trouvera un bon dans ses souvenirs. Un bon ? Autre page du rituel. On dirait que mon père a pris sa partie du livre et a essayé de la brûler. Mais d'une manière ou d'une autre, cette page a survécu. C'est étrange, très étrange. Je dois maintenant trouver une version lisible. Bah, moi je lis un peu des trucs là. Franchement, en vrai, c'est un peu visible quand même. Moi, je trouve. Bon bah je prends. Hein. Voilà. Et ça je peux rien en faire alors. En plus on l'avait déjà vu quelque part. La meuf de la photo, c'est ça? Gravure sur bois. Vraiment? Ah ouais. Je pensais que c'était une page de parchemin moi. Du 14e siècle d'un artiste inconnu. Elle représente une femme mystérieuse, probablement une sorcière ou une chamane. Pourquoi? Direct. Franchement, direct, stéréotype. Son âge et son origine ne peuvent être déterminés. Et son corps est couvert de tatouages. Ah ouais, c'est des tatous. Pardon. Tout à fait inhabituel pour l'époque. Comment il sait qu'il est 14e siècle? Il y a écrit signé le 14e siècle. On peut dire il est bien le jeu et sur Game Pass. Ou alors tu l'as eu offert sur Steam. Moi je l'ai eu sur Steam moi. Voilà. Mais c'est pas... Après je sais pas, je pense sponsor ou quoi que ce soit, juste j'ai eu la clé, c'est tout. T'inquiète. Je pense on peut parler du fait qu'il est sur Game Pass, ouais. Oh, on peut descendre par ici. Ça c'est cool. Mais je savais pas. C'est trop tard, c'est fait. Chatte sur 20, faut sûr. Mais non, comment ça la chatte, comment ça? Non, moi j'ai fait les clés, tout ça, je savais. J'avais tout compris. Un vrai golem, très difficile à retirer. C'est même illégal d'essayer. Retirer de quoi? Trop difficile à retirer de quoi? Et je comprends rien quand tu parles, bro. Bénédicte, il va falloir qu'on apprenne à communiquer tous les deux. Plongez plus loin dans l'opus magnum inachevé de votre père. Voilà, je comprends toujours pas. Bon, on va aller dans les limbes ou je ne sais quoi, quoi. Ça va. L'opus magnum. Oui. Ça fait. Est-ce que si je monte le voir là tout de suite, il va me parler ou pas? Non, c'est que le. Ah, père. Rencontré une autre fois, c'était une figure respectée du premier cercle. Un vrai scientifique promis à un bel avenir. Mais de qui? Ça fait réfléchir. Qu'aurait pu se passer si tu sais? Voilà. Je comprends toujours pas. Allez, on va aller dans les limbes, je crois. On a 1h25 de VOD. Et ben avant d'y aller, je vais couper cette VOD là. Et je vous dis à tout de suite. Bisous à VOD.